Thank you.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est encore un plaisir pour que l'heure de la délivrance capable de saluer et rentrer la caillou pour que nous capables de passer ce moment dans le pied maintenant. À toutes les amis qui sont déjà branchés sur le réseau, eh bien, nous souhaitons bienvenue et une bonne adoration. Et une bonne participation à service nan à soya. Pour que nous capables débuter, nous avons invité côté que nous avons chanté ensemble au numéro 47 des hymnes et louanges. Que ton fidèle amour est une grande chose. Ô Dieu, mon rédempteur, mon rocher, mon gardien. Que ton fidèle amour est une grande chose. Ô Dieu, mon rédempteur, mon rocher, mon gardien. Ô, quel puissant soutien, ô, quel puissant soutien. Que ce bras de ta grâce, ô, mon cœur se repose. Avec toi dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guide, sans sauveur. Mais aujourd'hui Seigneur, je poursuis avec toi terrestre voyage. Bien-aimés fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi, se tient sous ton regard. Oh, quelle riche part, oh, quelle riche chaque jour possède en ta tendresse. Ainsi moi ton enfant, Seigneur, devant ta face, je marche vers la gloire et la félicité. Et pour l'éternité, une place. Et maintenant, ma bénédiction, pour que nous appuyons ensemble le psaume 102. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le charron des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle
Le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, et il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dans les années dures éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez au moment ça, que ce soit à la maison ou au travail dans un petit coin, ou à travers les rues retournant à la maison ou allant au travail, n'a pas de pour que vous preniez position pour la prière, tandis que nous prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est avec joie, c'est avec allégresse que nous nous présentons par devant ta face bénie en ce soir. Nous sommes venus en cette heure indigne, l'heure appelée, l'heure de la délivrance. Parce que nous savons, ô notre Dieu, que ta présence est parmi nous, puisque nous t'adorons en esprit et en vérité. Père, Nabdou, merci pour tes faveurs envers nous. Merci pour tes miracles, merci pour ta bienveillance. Car n'était-ce pas ta grâce, notre âme serait bien longtemps reposée parmi les morts. Mais tu nous fais grâce. Tu as fait beaucoup de bien à notre âme. Ô Dieu, en cet instant, nous disons merci pour le privilège que tu nous donnes, en vue d'avoir le désir de nous trouver sur ce réseau pour te parler, pour passer un moment à tes pieds. Nous disons merci, puisque grand pile l'autre qui n'a pas un désir, ça. Oh, il est bon lorsque nous n'en pieds. Psalmiste en est déclaré, il dit, il est beau lorsque il est en pied. Il dit que un moment passé à tes pieds vaut plus que mille ailleurs. Eh bien, nous sommes contents pour que nous n'en pieds soyons. N'a pas de autant plus ou va bénir toute petite ou yo qui déjà branché à l'heure de la délivrance. Sur quel que soit réseau côté que attendez nous, nous mandons ou va bénir yo. Gen en pile Seigneur qui a souffri dans corps yo, gen en pile qui gen pile difficulté, en pile problème qui a faire face. Eh ben nous connaît l'heure de la délivrance est un moment d'espoir. N'a pas de autant prier Père. Toute petite ou yo qui branché, permet que service ça capable pour yo, yon baume de guérison, yon baume de réconfort, yon baume de délivrance, yon baume de paix, et qu'ainsi yon capable sentir tout bon vrai que yon rencontre avec ou, et que yon touche yon, et que yon ba yon l'espoir. Oh, nan mou an sa, nous levez tout si la yon kap fait plan pour que yon monte, qui empêche pour quel que soit raison, nan bando permet au Dieu que yon capable yon même tout joindre nous, ensemble sous raison, et qu'ainsi Seigneur nous capable faire louange pour vous. Nous capables de faire gloire pour vous, nous capables de chanter ta gloire. Oh, dans mon moment ça, oh notre Dieu, nous demandons autant prie, permet que service ça, les capables de prendre place dans le cœur chaque petit tout, pas pour que yo juste vienne tendre, mais permet que service ça, Seigneur, à travers service ça, l'heure de la délivrance, en pile cœur capable de régénérer,
en pile cœur capable transformer, en pile âme capable changer, et qu'ainsi Seigneur nom capable glorifier en retour. N'a pas demandé au permet que tout ça qui pral fait, qui pral dit sur réseau ça capable fait pour gloire pour seul, et qu'ainsi petit ou yo capable sentir tout le bon vrai que t'es en présence. Dans les cris nous, dans les prières nous, bénis le service nous. C'est au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 11h à minuit 30. À toutes amies qui a à peine monté, eh bien, nous souhaitons bonne adoration, bonne participation à service nous. Et comme vous savez, nous à peine débuté le livre de Daniel, nous à peine à explorer le livre ça, nous au début de l'exploration du livre de Daniel. Hier soir, nous débattions introduction et chapitre premier. Ce soir, nous allons vous donner la lecture du chapitre 2. Mais le chapitre 2 est un peu long, donc nous avons divisé en deux parties. Donc, nous allons lecture des versets premiers au verset 25 du chapitre 2 du livre de Daniel. Il est dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone.
Il prit la parole et dit à Ajok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Ajok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Ajok conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la lecture de la première partie du chapitre 2 du livre de Daniel. Zamim, comme on dit hier soir, le livre de Daniel, il y a deux parties, une partie historique et une partie apocalyptique, et une partie prophétique. Eh bien, au capable dans la lecture, non? Qui Jean grandeur, bon Dieu, continue à manifester parmi les Hébreux, tandis que ils étaient en captivité à Babylone, eh bien, bon Dieu pral servi avec ses jeunes. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bon Dieu pral servi avec yo pour que le capable montrer à Nebuchadnezzar que gagnons bon Dieu qui vivant, gagnons bon Dieu qui puissant, qui tout puissant. Parce que Nebuchadnezzar connaît que l'été seul roi à travers la terre entière. Eh bien, à travers merveille que bon Dieu pral fait. Nebuchadnezzar pral apprendre une leçon. Et nous capables de comprendre aussi ça qui gagne, merveille qui gagne, grandeur qui gagne, puissance qui gagne, lorsque yon moun li croit dans bon Dieu, comme ces jeunes Hébreux. Lorsque yon fait face à un problème, yon pas utilisé connaissance yon. Yo pas utilisé petit bout de connaissance yo gagnant yo te prend, mais yo fait bon Dieu confiance, yo recourir directement à bon Dieu, à l'Éternel, côté que al fait demande yo. Et bon Dieu, quand lorsque les malheureux crient, li répond, li tendez, et nous va voir qui Jean bon Dieu après le fait merveille par ces jeunes. Eh ben ou même amis, pas compter, suspendre compter sur tes connaissances qu'on gagne. Attendez. Suspendre compter sur tes bout de connaissances qu'on gagne. Amen. Pas frapper l'estomac. Tant qu'on est Nebuchadnezzar, pas penser que c'est vous seul qui seul qu'on chante. C'est vous qu'on est passé tout le monde. C'est vous qui avez fait la pied le beau temps. C'est vous pas là, rien pas qu'à faire. Amen. Retirez ça dans son. Vous avez besoin pour apprendre, pour humilier vous. Pour que vous capable de faire bon Dieu confiance et laguer toute bagaille dans le bon Dieu. Quel que soit le problème, nan, quel que soit la difficulté que vous faites face, connaissez que vous avez un bon Dieu dans le ciel, nan, qui est capable
aide ou, qui ka assiste ou, c'est ça que Daniel te fait. Littéralement, des compagnons yo backup. Gen problème que ou a fait face, ou besoin backup. Ou besoin backup. Ou besoin moun pou edo ou prier. Moun pou edo crier dans oreilles l'Éternel. Eh ben, que ou prend le son, à bon entendeur, salut. Pour que nous avons entré dans cette zone de réflexion avec le Seigneur, nous avons invité au côté que nous, après chanter au numéro 247 des hymnes et louanges, pour que nous capables d'entrer dans cette zone de réflexion avec notre Seigneur. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi le ressonne, c'est toi. Reviens à ton Père, c'est bien son pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant, sa voix bien connu, dis viens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris, sans nos désaltères, reviens à tout prix. Au croix à sa grâce, sa paix. Seigneur a cherché nous. Nous besoin pour que nous allions à lui-même, retourner à lui-même. Parce que en pile fois, nous égarés, nous avons couru loin de notre Dieu. Monde qui a aidé nous, monde qui a sauvé nous, monde qui a réconforté nous, eh bien, nous avons couru loin de sa face. C'est ça péché fait nous. Péché fait que nous tournons des fugitifs. Péché fait que nous avons couru tant qu'il y a un brebis qui est garé, qui s'en met, qui est perdu. Mais Jésus a tant nous, l'a brûlé nous. Par ce chemin solitaire, voyageur, où courez-vous? Vers une nouvelle terre que Dieu prépara pour nous. 248. Par ce chemin solitaire, voyageur, où courez-vous? Vers une nouvelle terre que Dieu prépara pour nous. Par-delà plaines et cimes, vers ces demeures sûres. Sublime, ami, venez avec nous. Vers cette demeure sublime,
venez avec nous dans cette terre nouvelle. Voyage, qu'espérez-vous? Une couronne immortelle que Christ mérita pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance. Amis, venez avec nous, plus de larmes de souffrance. Amis, venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous, nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Trouverons-nous de la place? Ce bonheur est-il pour nous? Venez en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour tous. À la source de la vie, Dieu lui-même vous convie, Dieu lui-même vous convie. Amis, venez avec nous, Dieu lui-même vous convie. Amis, venez avec nous. Et maintenant, m'a invité au côté que nous appelons ensemble le psaume 38. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Quand mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé et abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. L'Éternel, Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Quand je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il se lève contre moi si mon pied chancelle. Quand je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi.
car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Seigneur, mon salut. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, m'invitons pour que nous avons chanté un couplet du numéro 268. Et après le couplet de ce chant, la prière de confession sera tout faite par notre bien-aimée sœur Hilde-Louise Vital. Prions donc. Chantons le cantique 268. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout camp fut brisé, je me rends blanc. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Prions le Seigneur. Nous allons nous faire
Papa, nous, Seigneur, merci pour votre vie,
malgré les choses qui n'est pas bon, malgré l'inquiétude que y a gardé de ce que nous faisons dans le bio. Je te remercie de vous grâce à vous. Papa, votre grand. Amen. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 11h à minuit 30. Je présente excuse-moi à présentateur yo, parce que je pensais que c'était mercredi. Donc, vraiment, la courir plus que temps. Donc, nous présenter excuse-nous, parce que nous t'es appelé yon incorrect, yon personne qui partait des services à soi. Donc, nous disons merci à Sœur Nicole, parce que nous t'es comprendre ça. Bien. Mes chers amis bien-aimés, comme nous connaissons, non depuis dimanche, nous débutons une nouvelle série, côté que nous avons médité, nous avons causé autour des 28 vérités fondamentales de l'Église Adventiste qui, au nombre de 28, donc nous t'es ouais deux déjà. Côté que nous t'ai parlé de l'importance des Saintes Écritures, côté que l'Église Adventiste, donc c'est Pibieli, c'est règle de foi tous les chrétiens adventistes. Côté que nous démontrons au grand pile monde qu'il y a une fausse conception des Adventistes du septième jour. Cependant, nous t'ai baro vérité, nous démontrons qui est, qui ça que vous croyez, ce qui ça que vous campez. Eh bien, nous t'ai voyé en deuxième, nous t'ai parlé de la Trinité. C'est ça que nous t'ai parlé hier soir, côté que nous t'ai montré Trinité, il crée un pile problème, pas seulement dans le temps, pas nous, aujourd'hui, mais depuis le début, pas même depuis le début, l'œuvre adventiste, nous sommes capables de dire depuis le premier siècle, avec les pères de l'Église, deuxième siècle, a fait Trinité, t'es bail un pile problème. Cependant, nous t'ai montré que le mot Trinité il peut pas venir dans la Bible non, qui est monde qui t'avait dit que c'est l'Église catholique qui inventé qui vini avec le mot Trinité. Donc peu importe qui est qui vient avec lui, ça que nous t'explique c'est que concept Trinité il est dans la Bible non, base Trinité il est dans la Bible non, parce que mot Trinité il voulait dire un trio et triune. Il y a Dieu en trois personnes, c'est ça que la Bible instruit nous, enseigne-nous. Il y a un seul Dieu. Non pas enseigner le monothéisme, le panthéisme, non enseigner l'Église Adventiste, enseigner le monothéisme. Ça veut dire, il y a un peuple, il y a une assemblée qui croit dans un seul Dieu, non pas enseigner plusieurs dieux. Il est vrai que le mot Dieu est au pluriel. C'est ça qui fait qu'il t'a expliqué ça. Lui en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et me déborde pile détail sur ça. Assoyez, après une troisième vérité, une troisième croyance que l'Église Adventiste gagne, il y a quoi dans le Père? Eh bien, le Père, j'en comme t'ai expliqué hier, selon compréhension biblique, moins compréhension théologique, moins. Donc, il y a un seul Dieu en trois personnes. Donc, nous sommes capables de voir le Père comme le Créateur.
le Père en tant que créateur, créateur de tout. Donc, il est dit, Dieu le Père, éternel, est donc le créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Notre Dieu est juste, il est saint, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Bon Dieu, nous avons des qualités et des facultés qui manifestent par le Saint-Esprit, par le Fils, et toute qualité sa yo, toute faculté sa yo tout, c'est révélation papa. Gagne un texte que moi te baou lorsque nous t'a parlé de Trinité. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire, Zamim, le Dieu créateur, il est donc la source de tout. Tout ça qui gagne, il est sorti dans lui-même. C'est lui-même qui crée toute bagaille. C'est lui-même qui gagne toute puissance. C'est lui-même qui est un Dieu qui est fidèle. Yahweh. Yahweh, au soir, Yahvé. Dans la langue hébreu, au soir, on est capable de dire Jéhovah. Jéhovah est la traduction de Yahweh. Donc, il y a un Dieu qui est fidèle. Il y a un Dieu qui compatissant. Il y a un Dieu qui lent à la colère. Il y a un Dieu qui est riche en bonté. Et un Dieu qui respecte les promesses, qui révèle la fidélité à tout le monde. À tout le monde qui marche avec lui. Tout le monde qui fait confiance. C'est ça qui fait en même la gloire, louange. Tout le bagage revient à l'Éternel. C'est lui-même seul qui digne pour le recevoir. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que le Dieu créateur, le Père, donc il est différent, de tout l'autre faux Dieu, l'autre idole que le bon Dieu même, délivré, il a une nation étrangère, le peuple juif, un peuple qui était appelé par Dieu pour qu'il soit capable de porter lumière, pour être capable d'éclairer toute l'autre nation. Mais malheureusement, nous voyons que le peuple, ça a. Il était laissé tomber. Il était tombé dans la tentation. Il allait suivre l'autre nation. Mais quoi que ça, nous voyons que Jean bon Dieu toujours a cherché. Que Jean bon Dieu toujours a fait moyen pour que capable de ramener à lui-même. Et lorsque il retourne, nous voyons que Jean bon Dieu contre il défend. Le Dieu créateur. Donc c'est lui-même qui méritait toute gloire nous, toute louange nous, pour nous faire éloge pour lui. Un Dieu tout puissant. Ce sont les attributs de Dieu. Un Dieu tout puissant. Un Dieu de compassion. Nous capables de comprendre que lorsque immédiatement que Adam et Ève ont fini de pécher, immédiatement, bon Dieu établit un plan de sauvetage. Un plan de restauration. Et nous, ce plan a été exécuté à travers le Fils, qui est Jésus. Demain soir, on ne va pas parler plus sur ça. Maintenant, bon Dieu, il a exécuté le plan de la rédemption, le plan de rachat, pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Ça, c'est caractère d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui est compatissant. Et comme on a toujours dit, l'homme, c'est la raison qui fait que bon Dieu toujours cherche l'homme comme ça. C'est parce que l'homme est donc le chef-d'œuvre de la création. Tout ça, bon Dieu, t'est créé, il t'est créé par la parole. Tout ça qu'il crée, il est créé par la parole. Cependant, lorsque il arrive dans le dernier moment, dernière heure, sixième jour création, eh bien,
li kriye l'om avèk pwop mèmi. Si ta wè konè zanmim, loske sa rapple mwen, loske mte peti, mte kon ap fè po an agil, ap fè ti zoazo, ap fè ti zoazo, ap fè moul an agil, ap fè an pil bagay. Loske ou pran tan pou ke ou kapab kreye yon bagay, pou fome yon bagay. Chose sa li precieux nan zyo. Li chè a ou men. Li important pou, paske ou pran tan pou ke ou fabrike, pou ke ou fere. Il en est de même pour l'homme. Bon Dieu remet l'homme. Il remet nous. Parce que lui fabrique nous avec main. L'infini fabrique nous avec main, selon Genèse. Lui souffle. Lui souffle souffle de vie. Lui colle bouche. Dans le masque le fer pour que le bonne vie. Donc nous précieux, nous c'est une nature qui merveilleuse, une créature qui merveilleuse dans les yeux de Dieu. Donc il est notre créateur, il est notre source de toutes choses, il est notre soutien. Notre Dieu est souverain. Souverain, la souveraineté, souverain, l'homme souverain, son monde qui fait saler. Li pa mande moun konsey, li pa pran konsey nan men moun. Ou pa ka fache avèk li, ou pa ka rele nan kote, nan tribunal. Ou pa ka fè pwosè. E son Dieu ki fidèl. Yahweh, li egziste de par li men. Pa gen moun ki te kriye, avèk ou pa ka fè lwa. Donk les Adventistes du 7e jour, yo kwen dan l'œuvre du Père Céleste en tant que créateur, la source de toutes choses, le soutien et le souverain de toute création. Demain soir, nous va parler du Fils, nous va parler qui est Fils naïe et qui œuvre que l'accomplit dans la vie chaque monde qui a marché avec bon Dieu. Pour que nous capables de faire un petit bout de louange pour le Seigneur, je vous invite à ce que nous avons chanté ensemble au numéro 290, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère au nom de Christ pour nous. Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Celui d'Emmanuel, les séraphins et l'archange portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel.
Jésus soulage. Quel bonheur, porte loin de l'éternel. Quel bonheur, quel bonheur, bonheur, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Ce monde de pareil à ce bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'éternel. Quel bonheur, quel bonheur, bonheur, que celui d'Emmanuel. Et salut en aucun autre nom que celui d'Emmanuel. Nous avons nous besoin pour que nous capables apprendre, pour que nous fassions, bon Dieu, confiance dans tout ça que nous avons fait. Nous besoin pour que nous capables faire de confiance. 374. Le ciel était voilé, la route était obscure. Voyageur désolé, j'irais à l'aventure. En pile fois en même, chaque bagaille dans la vie tournait contre vous-même. Chaque sommet même là-dedans tournait contre vous. La vie vous menacée par toutes sortes de calamité, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Cependant, rappelez-vous, dans mi temps problème yo, Jésus li là pour vous et c'est le seul qui a fait aux grâces. Vous besoin pour que vous capable rappeler ça lorsque problème yo sorti pour chavirer tout. Le ciel était voilé, la route était obscure. 374. Le ciel était voilé, la route était obscure. Voyageur désolé, j'irais à l'aventure. Chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, lassé, disant c'est ici que je mourrai sans doute, quand un rayon des cieux pour moi perçant l'espace vint montrer à mes yeux la porte. Mais je doutais encore, ce petit mot
la grâce toujours veille, pitié je vais mourir, murmurais-je à voix basse, et je la vis s'ouvrir, la porte de la grâce, la porte de la grâce. Je vis sur le seuil, debout dans la lumière. Jésus, quel doux accueil, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il pour voir? Viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Et maintenant, mesdames, messieurs, ma invité au côté que nous appelons ensemble, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au moment de l'intercession. Côté que nous allons crier à l'Éternel. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Nous allons sonner notre trompette aux oreilles de notre Dieu. Côté que nous allons présenter pétition nous à lui-même et lui seul qui gagne pour voix pour que le capable tendez nous et répondre à prière nous. Parce que ses promesses sont certaines, ses promesses sont véritables. Nous servons un Dieu qui ne peut pas mentir. Promesse liée certaine. Il est toujours qu'aimé fidélité envers promesse. 382. Oui, selon ta promesse. Ô Jésus, mon sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur. Oui, selon ta promesse. Le rayon qui ira sur
céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère. Jésus seul est notre soutien. Lui-même seul, c'est défenseur. Quelle que soit la difficulté que l'on fait face. D'ailleurs, j'en connais toujours dit, tout autant que vous souffrez ça, vous souffrez, vous avez une difficulté, vous avez un problème, ça va dans un pouet. Avec foi dans bon Dieu. Ce n'est pas gagner pour vous avec intimité avec bon Dieu. D'ailleurs, intimité, le bon Dieu, c'est pour ne pas souffrir. C'était plein de ça. Malheureusement, nous désobéissons. Puisque nous désobéissons, et nous souhaitons ça, que Satan envahit terre. Inondé terre avec problème. Raison à ce pour le capable de démentir bon Dieu. Que le monde qui observe souffre tout. Pour le montrer, nous que bon Dieu pas rien à faire pour nous. Zanmim, si vous prenez ça comme nous, ou réfléchis sur lui, ou méditez sur lui, lorsque vous faites face à problème, vous prenez courage. Malheureusement, souffrance pas doux. Ou ap soufri, parfois de l'op pompe nan zyo, parfois ou ap pose tèt an pil kestyon. Cependant, lorsque ou fini pale rèk pale ou, ou ap antre an ou menm. Ou ap wè ke soufrans nan, la soufrans est le lot de tous les hommes. La soufrans est le lot de tout homme. Depuis que ou soute sa, ou ap soufri. Malheureusement, gagne qui souffre plus qu'on l'autre. Gagne que Satan attaque plus qu'on l'autre. Eh bien, fais Jésus confiance. Parce que c'est lui seul qui est capable de retirer au côté courrier. C'est lui seul qui est capable de soulager. C'est lui seul qui est capable de faire quelque chose pour vous. Satan finit de créer des problèmes, mais il n'a pas qu'à résoudre. Mais Jésus a résolu pour vous. Tandis que nous allons prier, agis fort. Maintenant, on compte aucun problème. Faites vous connaître Jésus devant Cabane. Et là, il est là, tout le monde. Parce que il est là en esprit ou pas. Mais maintenant, tête que les devant Cabane, il est avec vous. Et dit tout petit cause. Prions Dieu. Ô éternel Dieu des cieux, c'est avec un cœur reconnaissant, rempli de reconnaissance et de gratitude que nous présentons devant ton trône de grâce en ce moment. En cette heure indigne, au beau milieu de la nuit, nous venons devant, puisque vous habituez fait merveille, nous mettons la nuit. Nous venons devant notre Dieu, parce que tu es souverain. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es souverain.
au grand monde, au fait sauver, dans le ciel, dans la terre, dans l'espace, en baptême. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et c'est ça qui fait nous content lorsque nous venons dans Pio, parce que nous n'avons pas en affaire avec un bout de métal, ni un bout de bois, qui a des oreilles qui ne peuvent pas attendre de crier nous, qui a des pieds qui ne peuvent pas marcher pour délivrer, qui a des yeux qui ne peuvent pas ouais. Mais nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui connaît nos besoins. Un Dieu qui connaît nos souffrances. Oh, nous venons devant, Seigneur, pour que nous disions merci pour soins jaloux qu'on prend de nous, malgré que nous avons couru loin de face, malgré que nous avons égaré, mais on toujours à chercher nous, on toujours à veiller sur nous, on toujours à prendre soin de nous. Comme un bon berger. Nous disons merci. Et nous disons merci au notre Dieu pour le pardon de nos péchés. Puisque péché nous éloigne nous de nous-mêmes. Si ce n'est pas le pardon que vous accordez à nous, nous ne sommes pas capables. Même si tes noms soulèvent nous. Voir pour que prière nous soit capable d'arriver devant toi de grâce. Nous bénissons pour ça. Dans ce moment-là, nous disons merci pour tout petit qui est branché sur le réseau. Quel que soit à côté que vous êtes, vous êtes branché. Parce que vous connaissez que ce moment-là, c'est un moment qui est béni. Ce moment-là, c'est une sainte convocation que lié entre vous-même avec vous. Yo tout papa yon an pi yo. Gen an pil kap koza avec ou. Gen an pil ki mette men yo kote ke yo gen problem nan, kote ke yo gen douleur nan, kote ke médecin humain yo a fait plan pour opérer yo. Si ko vle Père Éternel, ou ka guéri yo. Si ko vle Père Éternel, yo pa même besoin passer nan opération les hommes a planifier pour faire yo. Ou même au café opération. Parce qu'on habitué fait ça. Nous pas seulement l'île dans grand livre là, mais nous ouais sous yeux nous, monde qui ont opéré sans couteau. Nous connaissons que pas grand rien qui est possible à nous-mêmes. Certes, c'est volonté qu'a fait, volonté qu'a passé. Puisque nous pécheurs. Puisque nous bornés, nous ne connaissons pas volonté. Mais ça que nous croyons et nous acceptons, volonté, c'est lui-même qui est toujours meilleur. Parce qu'on dit dans la parole que le projet qu'on gagne pour petit tout, c'est le projet de paix et non de malheur. C'est le projet pour que nous un avenir qui est meilleur. Nous disons merci pour ça. Oh, dans le moment ça, moi, je voulais lever Seigneur tout petit qui a souffri, qui branché à vous-même, qui connecté à vous-même sur le réseau ça. N'apprendons au Père pour que vous posez mes mains sur vous. Posez mes guérissantes sur vous, Papa. Intervenu dans la vie. Yo. Fait un miracle, gagnant qui souffre, qui fait cancer, gagnant qui apprend traitement pour cancer, gagnant que opération planifiée pour eux déjà. Mais n'apprends autant de prix, papa. Selon plan, selon volonté, fais petit tout ça aux grâces. Délivrez-vous, restaurez santé. Renverser j'aime concernant, parce qu'au café, au cas remplacer quelque soit cellule ou organe qui infecté dans le corps, parce que c'est vous qui t'es créé nous. Oh, dans le moment ça,
Vle priyo pou an piti tou ki sou rezo an, ki nan depresyon. Ou loske nou ap nap cheke papa, nou wè ke nan mouman sa, gen an pil moun ki nan depresyon. A kòz de situasyon la vi an, a kòz de problèm ki ap fè fas. Ou gen moun ki pa ka peye kay yo, gen moun ki pa ka peye mortgage nan. Encore. Gen moun Seigneur, même mon sou père ou pa ka joine. Parce que au père du travail yo. Oh Dieu des cieux. N'a pas ou même qui compte faire merveille, qui compte faire miracle. Ou même qui est le grand pourvoyeur de toutes choses. N'a pas d'autant prie. Assistez moun sa yo. Si la ou qui déjà tombé dans la dépression. Si la yon ke tèt yon sorti pou chavire. Paske yon pa wè ni rele ni repon. Nap mande tan pri. Fè yon mirak an fave yon. Fè yon senti ke yon pa pou kont yon. Fè yon senti ko avèk yon. E menm jan pou te delivre. Petit yon dan le tan pase. Menm jan pou te delivre ou te pouvoi ou bezwen. Des frères de Joseph, les enfants de Jacob, tandis que t'es bien en famine qui t'a valé terrain, où tes pouvoirs a besoin. Au moment ça, n'a pas fait de même pour ceux-là qui vivent dans le désespoir. Nous les prions à soi. Prions petit tout Seigneur qui sous réseau. Les sous réseau. Les bouquets prennent une humiliation. Dans mes maris. Dans mes familles maris, dans mes amis. Parce que pas qu'à enfanter. Nous connaissons stérilité. Pas dans oreille. Parce que c'est vous-même qui te dit nous devons remplir. Contribuer, nous devons remplir la terre. N'a pas d'autant prix. Petit tout ça sous réseau, où est souffrance, où est humiliation que la prend. Si que c'est volonté, nous connaissons que l'année prochaine, dans le même moment, ça, il va faire coup de jaille pour vous, il va célébrer non. Parce que finalement, on répond à Christ. Et non seul capable de glorifier en retour, non seul capable de louer, nous connaissons fait déjà, nous connaissons fait déjà, nous pas seulement, dans le grand livre, ça a été fait dans le passé, mais nous, je veux dire, ça a été fait dans sous-yeux, nous. Pour génération pas loin, nous sommes merveilleux à ce sujet. Nous avons autant de frapper pio pour moun sa. Kap cause avec un homme sa. Ô Dieu des cieux, nous voulons demander autant de secourir pays d'Haïti. Fais un merveille, Seigneur. Renverse cette situation. Même pour cela, au Seigneur qui a prié, qui croit dans vous-même, grâce à vous-même, n'a pas d'eau, gain pitié. Fais un merveille, frappez pio pour le pays d'Haïti, afin que un changement capable d'opérer. Parce que Père, nous connaissons vous seul qui capote un changement à pays. Et nous comptons sur vous, nous connaissons pas jamais pressé. Autant voulu, autant marqué, n'a pas de délivrance. Ou à soir, nous voulons demander une délivrance pour Ronald Saint-Just à la famille. Une délivrance pour Maurice Duterte à la famille. Une délivrance pour Élisée Noël à la famille. Une délivrance pour Caroline Philogène. Une délivrance pour Ali Jean-Baptiste et famille. Une délivrance pour Jeffrey. Délivrance pour Dieu-même Belfort à la famille. Une délivrance pour Marie Prague à la famille. Une délivrance pour Marie Lourdes. Délivrance pour Max, André, Ernest et famille. Délivrance pour Whitney, Emile et famille. Délivrance pour Lucita, Dorélie et famille. Délivrance pour Marthe, Auguste et famille.
délivrance pour la petite Samuel, délivrance pour Rosanna, alliance et famille. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Marie-Christine. Un miracle pour Jean-Lesté, un miracle pour Joël. Un miracle pour Joseph Caïn et famille, un miracle pour Emmanuel Etienne et famille. Un miracle pour Antenor Médor et famille, un miracle pour Ludie Saint-Fort et famille. Un miracle pour Patricia et famille, un miracle pour Nandi et famille. Un miracle pour Mona et famille, un miracle pour Daphné Kwasi et famille. Un miracle pour Awol Kwasi. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Darlene Paul. Un miracle pour Brisson Pirono, un miracle pour Adriana McLennan. Un miracle pour Eden Barrett, un miracle pour Judas Jackson. Un miracle pour Marc Belfort, un miracle pour Onister Meus. Un miracle pour Vladimir Rassis, un miracle pour Pastor Jean-Charles. Un miracle pour Albert Amajus et famille. Un miracle pour Serret Prévillon, un miracle pour Katiana et famille. Un miracle pour la famille McDonald, un miracle pour Serret Collin et famille. Un miracle pour Ulysse, un miracle pour la famille Saint-Ulysse, un miracle pour la famille Philo-Saint. Un miracle pour la famille Montina. Un miracle pour Rosaine Jacques et famille. Un miracle pour Yves Garçon et famille. Un miracle pour Marcel Aurélien. Un miracle pour Nadia Augustin. Un miracle pour Marcel Augustin. Un miracle pour Bethsaïda Massena. En ce moment de la délivrance, la pardon, un miracle pour Martine Saint-Just. Un miracle pour Sherline Sylvain et famille. Un miracle pour Kélène Benoît et famille. Un miracle pour Pasteur Fernand Destin et famille. Un miracle pour Eveline Mettez-le ses familles. Un miracle pour une autre guerrier et famille. Un miracle pour Lionel Dorélie. Un miracle pour Lionel Joseph et famille. Un miracle pour Marc Elie. Un miracle pour Linda Duval. Un miracle pour Anicia Desrosiers. Oh, en ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Carlo Jérôme. Un miracle pour Ginette Basile et famille. Un miracle pour Angie Mettez-le. Un miracle pour Milan Saint-Cyr. Un miracle pour Niveline Paris. Un miracle pour Sidoine Géraud. Un miracle pour Roberto aussi, un miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Jessica Latonel. Un miracle pour Rose Docteur, un miracle pour Jonathan Lebon. Un miracle pour Marie-Tony, un miracle pour Annie Parisien. Un miracle pour Mia. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour. Un miracle pour Guerlain Ulysse et famille. Un miracle pour Willan Devra et famille. Un miracle pour Marie-Claire. Un miracle pour Nehemiah Fontaine. Un miracle pour Benoît Derifon et famille. Un miracle pour Marilyn Castin. Un miracle pour Juline Placide. Un miracle pour Michael Placide. Un miracle pour Paul Nakajus. Un miracle pour Mark Hensley. Un miracle pour Elicia Valérie. Un miracle pour Elijah. Un miracle pour Benito Lui. Un miracle pour Joshua Lui. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Berlin Joseph et famille. Un miracle pour la famille Petit Homme. Un miracle pour Valentin. Un miracle pour Jacqueline Exumé. Un miracle pour Betty Jordan. Un miracle pour la famille Jordan. Un miracle pour la famille François. En cette heure de la délivrance, nous demandons un miracle pour Yoline Etienne. Un miracle pour Adèle Etienne. Un miracle pour Christina Etienne. Un miracle pour Marie Bojla. Un miracle pour Agnès Pirono. Un miracle pour Marie-Josette Pirono. Un miracle pour Joli Cœur Saint-Louis et famille. Un miracle pour Cynthia Petit Homme, un miracle pour Marie-Kélie Joseph et famille. Un miracle pour Guerlain Absalon et famille. Un miracle pour la famille René. Un miracle pour la famille Joseph et miracle pour Marley. Un miracle pour la sœur Amand, un miracle pour Jean-Tony. Un miracle pour Janelle Dielhomme, un miracle pour Marie-André. Un miracle pour Wizit Civil, un miracle pour Yassine Jenkins. Un miracle pour Edna Majus, un miracle pour Wilder Pacon. Un miracle pour Jules Nakajus. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Martine Limage. Un miracle pour Michelette Bisson et famille. Un miracle pour Judith Fileus et famille. Un miracle pour Magali Etienne. Un miracle pour Claude Etienne. Un miracle pour Myrlène Cajus et famille. Un miracle pour Hawkins. Un miracle pour Franck Simon. Un miracle pour Fernel Valérie. Un miracle pour Nicole Exil. Un miracle pour Anthony. Un miracle pour Frances Excellent. Un miracle pour Kerline Telusme. Un miracle pour Sam Elie et famille. Un miracle pour la famille Salomon. Un miracle pour Roselyne. En ce moment de la délivrance, nous demandons un miracle pour Judnel Mintil. Un miracle pour Magdaniel Mintil. Un miracle pour Gaël Mintil. Un miracle pour Wendel Pierre. Un miracle pour Idel Nicolas Pierre. Un miracle pour Den Pierre. Un miracle pour Elvani Pierre, lui et famille. Un miracle pour Kela François. Un miracle pour Marie-Thérèse Faustin.
un miracle pour Mireille, François et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour la famille Félix. Un miracle pour Dadelicha Félix. Un miracle pour Rosine Larose. Un miracle pour Carole Estimé. Un miracle pour Stéphane Baptiste. Un miracle pour Naïcha Baptiste. Un miracle pour Joël Charles. Un miracle pour Pasteur Joël. Un miracle pour la famille Mon Premier. Un miracle pour la famille Ozi. Un miracle pour Neika Louis Washington. Un miracle pour Stéphane Alphonse. Un miracle pour Steven Saint-Just. Un miracle pour Michael Jolie Saint-Jean. Un miracle pour Gary Joseph. Un miracle pour Pasteur Almoval. Un miracle pour la famille Bel Amour. Un miracle pour Fabiola Bel Amour. En ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour Wasline Chéron et famille. Un miracle pour Janine Valérie. Un miracle pour Hermia Valérie. Un miracle pour Kempes Trévillon. Un miracle pour la sœur Adrien. Un miracle pour Claire Denise Andréville. Un miracle pour Julien Talus. Un miracle pour la Merci Charles. En ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour Rosanna Exantus et famille. Un miracle pour Liliane et famille, un miracle pour Jean Wadner Jean-Baptiste. Un miracle pour Ashlyn Jean-Noël. Un miracle pour Whitney Syriac, un miracle pour Anitan Syriac. Un miracle pour Roseland Louis. Un miracle pour la forêt Maxi Ferré. Un miracle pour Caroline Louis. Un miracle pour Myrlène Doris Carr. En ce moment de la délivrance, la pandémie, un miracle pour Juan Carlos. Un miracle pour Widlin Augustin, un miracle pour François Duméran. Et famille, un miracle pour Bachela Duméran. Un miracle pour la famille Fleurant, un miracle pour Juliana Augustin. Un miracle pour Staël Lavoisier. Un miracle pour Fanny Lissibre. Un miracle pour Pasteur Daniel Ménard. En ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour Lomène de Saint-Ville. Un miracle pour Maxi Ferre Vincent. Un miracle pour Audric Lédix. Un miracle pour Lenny Bernard. Un miracle pour Antti Jean-Baptiste. Un miracle pour Le Grand Jean-Baptiste. Un miracle pour Mimo Jérôme et famille. Un miracle pour Martine Jean et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de un miracle pour Sabine Carrière, un miracle pour Bermude Saint-Foy et famille, un miracle pour Hilde Louise Vital, un miracle pour la famille Joseph, un miracle pour Elijah Giovanni, un miracle pour Elijah Petit Homme, un miracle pour Foy d'Élise, un miracle pour Claude Saint-Claude, un miracle pour Vedette Boris et famille, un miracle pour Gina Baptiste, un miracle pour Marcel Gelet, en ce moment de la délivrance. N'a pas de yon miracle pour Myrlène Petit Homme. Yon miracle pour Michaelos Samson. Yon miracle pour la famille Mourancy. Yon miracle pour la famille Gilles. Yon miracle pour la famille Alexis. Yon miracle pour la famille Paul. Yon miracle pour la famille Saint-Paul. Yon miracle pour la famille Ovilmar. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Franz Montina. Yon miracle pour Kéden Elijah Salomon. Yon miracle pour Lydia Chelus et famille. Yon miracle pour Viviano Vicaris. Yon miracle pour Myriam Vicaris. Yon miracle pour Lucas Vicaris. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour la famille Saint-Fleur. Yon miracle pour la famille Victor. Yon miracle pour Wesner Sagen. Yon miracle pour Charla Hulet. Yon miracle pour Patricia Raymond. Yon miracle pour James Louis. Yon miracle pour Nadège Louis. Yon miracle pour Sarah Polena. Yon miracle pour Fanel Garius. Yon miracle pour Morissette Verwil. Yon miracle pour Daphné Jean-Baptiste. Yon miracle pour Esther Nicolas. Oh, en ce moment de la délivrance, yon pilote qui besoin de miracle yon délivrance fait pour yon. N'a pas d'autre que non capable glorifier. N'a pas d'autre pitié, intervention en faveur yon. Afin que toute bouche capable confesser que c'est vous-même seul qui est le roi des rois qui est capable de délivrer yon. Oh, voilà pourquoi nous allons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Ou t'es branché à l'heure de la délivrance, il y a un programme qui passe sur réseau chaque soir. Du dimanche au vendredi de 11h à 12h30, à tous les amis qui débranchaient, nous souhaitons que vous rencontrez avec maintenant. Eh bien, si vous sentez que le service a fait pour vous, continuez à partager le numéro aux amis et aux membres de famille.
Et l'homme monte sur Facebook, partagez page en amis, afin que les capables programmes ne capables de joindre bons amis sur Facebook. Et l'on sur YouTube. Cliquez aimer, abonnez, afin que vous capable toujours recevoir ce service ça et que vous capable repasser lorsque vous sentez que vous abattu. Eh bien, c'était serviteur au pasteur Jean-Michel qui t'a servi. M'a dit au revoir et m'a blessé avec la voix de Nancy directement d'Haïti. Bon sommeil et à demain soir pour un programme pareil. J'ai croisé le regard de Jésus et depuis ma vie n'est plus la même. J'ai croisé le regard de Jésus et dans ses yeux j'ai lu je t'aime. Je ne savais pas ce qu'il avait fait pour moi, je ne connaissais rien de lui. Je suivais ma route comme on s'en va au hasard, jusqu'au jour où j'ai croisé son regard. Et depuis, ma vie n'est plus la même. J'ai croisé le regard de Jésus et dans ses yeux j'ai lu je t'aime. Il m'a réchauffé comme raffiné glacé. Son amour qui ne s'éteindra jamais et qui me rend la vie pour l'éternité. Oh, oh, ne me demandez pas comment c'est arrivé. Je ne pourrai pas vous l'expliquer. Je peux simplement vous dire qu'il peut votre chemin, comme un jour il s'est trouvé sur le mien. Et là j'ai croisé le regard de Jésus et depuis ma vie n'est plus la même. J'ai croisé le regard de Jésus et dans ses yeux j'ai lu je voilà, mesdames et messieurs, c'était la voix de Nancy. Eh bien, lorsqu'on croise avec Jésus sur le chemin, eh bien, tout le bagage va changer pour vous. Eh bien, mes amis, ou même qui ont encore branché sur Facebook, moi, désolé pour que je prenne congé de vous-même, parce qu'il faut que je m'achève la vidéo pour YouTube. Donc, nous souhaitons bon sommeil, bonne soirée, et à demain soir pour un programme pareil. Au revoir.